t'approches d'un mec, est-ce que ça commence à envoyer de la châtaigne ou pas? T'as pas essayé, je suppose. Ce qui sauve le réflexe coup de couteau. Oh! Salut les faisans, bienvenue sur la chaîne de Stuff76. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo test, hein, puisque la Gamescom maintenant malheureusement c'est fini. Et il faut bien passer à autre chose, hein, c'est bien normal. Et pour ce test, eh bien, j'ai choisi de revenir avec Splinter Cell Blacklist, donc le jeu de chez Ubisoft Toronto, qui sont les développeurs. C'est leur premier. C'est le premier jeu qui sort de chez eux, puisque c'était une des nouvelles branches d'Ubisoft qui a ouvert en 2009. Ils sont actuellement au boulot pour Rainbow Six, le nouveau. Et bien sûr, édité par Ubisoft. Donc on retrouve Sam Fisher, hein, toujours là pour sauver le monde. Et on va aborder tout de suite un premier point qui est assez sympathique, je trouve, dans le jeu. C'est le menu général, c'est le hub, ce qu'on appelle communément, pardon, le hub. Et c'est assez particulier parce que on est dans un avion qui s'appelle le Paladin, donc qui est un peu le gros QG. Et on va se balader dans cet avion pour pouvoir aller modifier ce qu'on a envie de modifier. Donc là, par exemple, on a été voir Bix, qui est un peu notre copilote wingman sur le terrain, pour aller voir nos stats et nos progressions dans le jeu. Ici, on monte voir Charlie, qui est une espèce de geek expert en technologie. Et donc, chez lui, on va pouvoir améliorer son équipement. Donc on a la possibilité d'améliorer soit son équipement de campagne solo ou bien son équipement multijoueur en espion ou en mercenaire. Donc vous voyez, encore une fois, possibilité d'augmenter un peu tout, les gadgets, la lunette, la combinaison, le pistolet, l'arme secondaire et l'arme spéciale. Directement via Charlie. On va pouvoir aller modifier son équipement, d'ailleurs j'y vais tout de suite, voilà. Là-bas, donc pour pouvoir activer les améliorations. Alors on pourra le faire aussi avant chaque mission, hein, je vous rassure, mais c'est une bonne façon d'occuper un peu l'espace qui nous est alloué, puisque évidemment si on vous donne tout un avion pour vous déplacer, faire des choses, autant on le rentabilise un petit peu. Et on va se diriger maintenant vers la dernière personne qui, elle, a une a une petite particularité, on va dire, c'est que chez elle, on va pouvoir aller améliorer son avion. Alors, à quoi ça sert? Ça va pouvoir donner des améliorations globales sur le radar, donc Grim, pardon, j'ai oublié de dire comment ça s'appelait. Voilà, par exemple, vous voyez que dans le cockpit, j'ai déjà amélioré de 2 niveaux mon radar pour qu'il soit plus performant et avoir les mouvements des ennemis en temps réel, ce genre de choses. On peut augmenter plusieurs choses via ça, et je trouvais que c'était pas mal parce que effectivement ça colle bien. On se dit que le radar, c'est certainement calculé via l'avion et des données satellites, et donc il paraîtrait assez logique qu'on ait ça, qu'on doive améliorer ce genre de choses dans l'avion. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt une bonne idée. Ça va évidemment faire penser à du Mass Effect, hein, puisque vous vous rappelez que le commandant Shepard avait une forte tendance à se déplacer dans le Normandie pour aller améliorer aussi certaines choses. Et ben voilà, c'est un principe qui a été repris ici. Je trouve que c'est jamais une mauvaise chose. Alors la carte, vous voyez la légende en bas à gauche. Donc ça, c'est aussi le moyen qu'on a de lancer les missions. Donc vous voyez que là, j'ai une nouvelle mission qui s'est débloquée. Je peux la jouer en coop ou en solo. Il y a des missions uniquement coop, des missions uniquement solo. Le multijoueur, on y a accès aussi. Vous voyez qu'il est en plein milieu de l'océan. C'est espion versus mercenaries. Donc un principe qui existait déjà avant dans les Splinter Cell, qui n'avait pas été repris dans le Conviction, mais qui refait son retour ici, donc en 2 contre 2 ou en 4 contre 4, avec des objectifs différents. Pour les espions, ce sera désamorcer, mais c'est pas ça, désactiver des relais de communication, et ils seront en vue à la troisième personne. Et pour les mercenaires, leur but sera évidemment l'inverse, ce sera de protéger ces relais de communication, et eux seront en vue FPS. Donc c'est pas mal, ça, en 2 contre 2, il y a quand même une bonne tension, parce que vous êtes que deux. 4 contre 4, c'est un peu plus action, un peu plus bourrin peut-être, puisqu'il y a plus d'hommes sur une carte qui reste finalement... qui reste de la même taille. Donc on est plus vite à tomber sur quelqu'un plutôt qu'en 2 contre 2, quand on joue vraiment avec un équipier, justement, qu'on est
relié avec le micro, il y a moyen de tendre des pièges, ce genre de choses, et donc on a des parties qui sont vraiment très très intéressantes. En plus, on a la possibilité de ne pas jouer contre de l'IA, mais contre une intelligence de joueur, et donc ça donne forcément des parties qui sont assez soutenues. Donc, un très bon point ce menu, et cette partie multijoueur, je ne vous ai pas fait de gameplay sur la partie multijoueur, je voulais en faire une avec Monsieur Coty, mais nos calendriers et nos horaires ne correspondaient pas, donc c'est pas bien grave, mais... Voilà, je trouvais que c'était important de le souligner comme un point positif. Alors, je vais dire aussi dans ce test, c'est important qu'on se rende bien compte de ce que je vais dire là, c'est que je reviens de la Gamescom, mais j'ai vu les jeux de la nouvelle génération, donc forcément, graphiquement, j'ai un peu de mal avec ce que j'ai vu dans le jeu, parce que on se rend compte que la gêne actuelle, il est temps qu'elle cède sa place à la nouvelle. On a des textures, franchement, parfois à la limite, les modélisations des personnages ou des visages, même si elles sont relativement correctes, sont quand même assez bof. Donc, je ne saurais pas vous donner un jugement complètement objectif là-dessus, parce que je suis influencé par ce que j'ai vu. Donc, voilà, je vais faire quelques petites remarques, mais à la limite, c'est pas qu'il faut pas en tenir compte, mais je veux dire, c'est forcément, mon œil a été tronqué par le vice de la Gamescom. Donc voilà, comme d'habitude, on peut personnaliser son équipement un petit peu de la même manière qu'il y avait dans les Ghost Recon Future Soldier. Hein, la mission commence, vous avez un briefing qui vous dit voilà, moi je te conseille de prendre ceci, 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 après tu fais ce que tu veux. Et alors on va pouvoir s'équiper. On a 3 emplacements disponibles, on peut en débloquer via le pognon qu'on va ramasser, mais ça j'y reviendrai après. Je bois un petit coup, désolé. Donc. Ce Splinter Cell qui fait suite aux convictions qui avait été assez décriées parce qu'il était fort tourné action, et c'est vrai que quand on a vu les premiers trailers de l'E-Cube, je pense que c'était il y a 2 ans, je crois, enfin pas celui qui vient de passer, celui avant, on se souvient d'avoir vu un Sam Fisher hyper dynamique. Là je vais me foirer au début parce que je vais pas comprendre ce qu'il faut faire, je comprendrai pas après. Un Sam Fisher hyper dynamique qui saute au-dessus des barrières, qui courait dans tous les sens, enfin bref, on avait plus l'impression de voir un personnage d'Assassin's Creed avec des flingues que vraiment un Sam Fisher pur jus, et donc ça avait effrayé pas mal de fans. Au final, on a la possibilité de jouer de 3 façons, et d'ailleurs on est noté de 3 façons quand on a fini une mission. Donc soit en fantôme, donc vous allez avoir des points fantômes pour le nombre de passages que vous allez faire sans tuer quelqu'un et en restant discret, donc en gros c'est no kill et pas repéré. Vous allez avoir aussi des points panthère. Panthère, c'est quand vous êtes discret, mais que vous tuez des gens. Et alors, vous avez des points assaut, qui sont les points quand vous vous faites repérer, que vous tirez sur tout le monde. Donc, et on a vraiment la possibilité de jouer de 3 manières différentes et d'appréhender chaque niveau de 3 manières différentes. Les équipements aussi sont souvent balisés en vous mettant très bon pour fantôme, idéal pour panthère, ce genre de choses. Donc, quand on va personnaliser son équipement, on aura la possibilité de faire un choix qui nous correspond vraiment en fonction de notre gameplay, et donc on a plus ce côté imposé action comme il y avait dans Conviction, on a vraiment la possibilité de faire les choses un peu comme on veut. Il reste des passages où ce sera d'office un peu plus action, avec quelques pans de mise en scène qui sont faits peut-être un peu trop Uncharted à mon goût, où on va devoir par exemple s'échapper super vite d'un endroit pendant qu'il y a tout qui pète, même si ça reste assez sage au niveau de la mise en scène, on a quand même quelques petits passages comme ça où il n'y a pas de discrétion qui tienne, il faut se tirer point barre. Donc là je monte vite l'interface d'arme avec une wheel classique. Je peux choisir entre l'élimination létale ou non létale, donc avec un bon vieux coup de couteau à la gorge, ou bien une simple neutralisation. Et alors les armes habituelles, les gadgets, donc la caméra glue pour pouvoir voir aux angles ce qui se passe, et pour pouvoir disperser du gaz, par exemple. Il y a la même chose avec un petit émetteur de bruit qui sert à se coller contre un mur et par exemple à envoyer un petit son pour attirer des gardes, ce genre de choses. Donc il y a toujours l'aspect gadget qui est là. Les lunettes sont toujours aussi utiles. La lunette sonar qui montre au travers les murs les ennemis, personnellement je vous la recommande pas parce que ça flingue le truc, clairement. Ici j'ai pris une mission au tout début pour que vous n'ayez pas trop de spoil et que vous soyez pas trop
pas trop tenté de le faire, puisque par après j'ai dû l'utiliser quelques fois pour me repérer. Mais c'est vrai que c'est. Au final, j'ai regretté de l'avoir acheté parce que déjà elle coûte super cher. J'aurais aimé mettre mon pognon dans autre chose. Et puis ça casse un peu le plaisir, il faut bien le reconnaître. En parlant de ça coûte beaucoup de pognon, eh bien c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les améliorations coûtent extrêmement cher. Et que vous gagnez de l'argent, encore une fois, en fonction des trois codes que je vous ai cités, donc Fantôme, Panthère et Asso. Vous réussissez, vous vous êtes payé aussi en fonction du temps, en fonction des chemins cachés que vous avez trouvés, parce qu'il y a quelques petits chemins cachés qu'il faut trouver. Alors, je vous avoue que j'en ai trouvé quand même pas mal et que je me suis pas toujours rendu compte que c'est un chemin caché. Donc voilà, un petit peu à vous de voir. Il a gagné, oui, j'en profite justement pour vous dire que les chemins cachés sont généralement dus à des petits efforts acrobatiques, et on sent que de ce point de vue-là, à mon avis, les gars de chez Toronto ont dû appeler les gars de chez Montréal en disant « Excusez-moi, Assassin's Creed, comment vous faites à peu près pour les déplacements ?» Parce que la rapidité et la fluidité, bon, Sam Fisher, c'est un espion super entraîné, il n'y a pas de problème avec ça, je vous le laisse, mais... il a quand même le cheveu grisonnant et c'est un vrai putain de gibon. Le type, c'est un singe, il n'y a pas d'autre mot. C'est assez flagrant. Système de couverture où on va bouger d'un endroit à l'autre. Un peu, c'est le système qui avait été mis en place, qui avait été vraiment perfectionné, amélioré lors des Ghost Recon Future Soldier, lors du dernier Ghost Recon. Donc très facile de se déplacer, on va vraiment de cachette en cachette. Parfois, c'est pas toujours bien fait. Il y a un endroit qui a l'air évident où vous aimeriez aller. Vous cacher et il n'a pas du tout été balisé par les développeurs comme ça, on comprend pas toujours pourquoi. Donc des petits trucs comme ça qui font que c'est un petit peu bizarre. Alors je vais parler du scénario maintenant parce qu'il est quand même un petit peu temps de venir un petit peu dessus. Donc le scénario, il est extrêmement typique au Tom Clancy, à savoir que vous allez devoir sauver le monde, hein, ça je suppose que vous vous y attendiez, que des vilains méchants pas beaux s'en sont pris aux États-Unis. Ça, je suppose que vous y attendiez aussi. Ce qui va faire un peu la particularité ici, c'est qu'on a un groupe qui s'appelle les ingénieurs, qui a attaqué une base militaire et a récupéré une base de données avec tous les agents qui sont infiltrés dans le monde. Donc, déjà, c'est pas très sympathique. Ils ont laissé une espèce de... Ils filment tout ce qu'ils font. Donc, là, ils ont filmé l'attaque sur la base militaire américaine. Ils l'ont mis en ligne sur un site pour que tout le monde la voit, et ils ont laissé un message aux États-Unis en disant « Voilà, vous avez X temps pour ramener, je ne sais plus c'est combien, pour ramener toutes les troupes qui sont dans le monde, dans les 150 et des pays où vous êtes dans le monde. Sinon, toutes les semaines, on s'attaque à une chose qui fait vivre les États-Unis. » Et donc, vous avez sur cette blacklist, justement, semaine numéro 1, je crois que c'est American Consumption, quelque chose du genre. Vous avez American Oil un peu plus loin, enfin ce genre de choses. En gros, il y a plein, là je me foire complètement, il y a plein de pans comme ça où ils vont attaquer les États-Unis à chaque fois, et vous, votre but évidemment, c'est de remonter leur piste et de pouvoir leur tomber sur la gueule et stopper ça et sauver les États-Unis, bien entendu. Scénario qui est somme toute assez banal, mais qui est un petit peu dans l'actualité, en le fait que ça s'appelle les ingénieurs, ce genre de choses qui s'en attaquent directement parce qu'ils doivent retirer leurs troupes des États-Unis, sinon ils s'attaquent à leurs ressources, ils uploadent des vidéos. Je veux dire, c'est bien dans l'époque actuelle, mais bon, c'est un scénario qui est évidemment daté. Alors vous avez vu tantôt que j'ai un truc qui s'est débloqué, c'est exécution, je pense que c'est exécution prête. Eh bien quand j'élimine un soldat au corps à corps, donc en létal ou en non-létal, ou que j'arrive à le faire discrètement, eh bien ma jauge d'exécution qui se trouve en bas à droite se remplit. Avec cette jauge d'exécution, c'est un principe qui existait, que vous avez déjà vu, me semble, dans Conviction, si je dis pas de conneries. Oui, je crois bien que c'est ça, oui. Je réfléchis, c'était pas avant ça, mais non. Qu'on a vu dans le Hitman aussi, qui permet en fait de locker des ennemis. Donc, en restant caché, on lock jusqu'à 3 ennemis, puisque vous voyez que j'ai une jauge de 3. Et d'appuyer sur un seul bouton, la Sam Fisher se lève, poum, 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 3 balles, tout le monde fait dodo, pas de problème. Donc voilà, un point que certains apprécieront, pour le côté un peu classe de l'élimination. En revanche, d'autres qui vont pas du tout adorer ça. Alors vous voyez encore...
Ici, un exemple d'un gadget qu'on peut déverrouiller, c'est le drone, hein, encore une fois, qu'on avait vu aussi dans Ghost Recon. J'ai coupé ce passage-là du gameplay parce que je me suis un peu planté, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je trouve que c'est pas normal que je me plante, en fait. Donc on m'envoie marquer des gens, et je dois trouver l'acheteur qui se trouve dans cette pièce. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon drone et je vais marquer les cibles en me disant, à un moment je vais tomber sur l'acheteur, il va me dire que c'est l'acheteur et puis voilà, ce sera fait. Donc je vais faire voler mon hélico, bon là vous le verrez pas en complet, mais pendant 10 minutes. Pendant 10 putains de minutes, je vais faire le tour du bâtiment. Ceux qui ont fait le jeu savent d'un peu de quoi je parle. Ils vont mettre, et je vais marquer tout le monde, je vais pas comprendre pourquoi je peux pas marquer tout le monde, puis je vais me dire c'est pas possible, je peux en marquer que 3, puis je vais comprendre qu'il y en a qui se démarquent au fur et à mesure d'où j'en marque d'autres. Enfin bref, tout un merdier qui ne sert strictement à rien, tout ça pourquoi? Parce que pour valider, voilà la semaine coupée, pour valider la détection, eh bien, il faut que je me mette, là vous voyez le petit indicateur en haut à droite, qui est l'indicateur d'objectif, où ça se situe, je vais devoir aller me mettre dessus. Donc en gros, ce putain de drone à la con, il est bloqué par un script où je dois me rendre absolument à un endroit précis, alors que je peux cibler les mecs de n'importe où. Une fois que je suis à cet endroit précis, l'objectif sera déverrouillé, et vous allez voir que je vais déverrouiller, je vais justement verrouiller le gars en 2-2. Et je trouve ça d'un con et d'un bidon. J'avais déjà eu le même problème avec Ghost Recon, donc j'aurais dû me méfier. Je trouve ça ridicule parce que à partir du moment où vous faites rentrer avec un drone dans une pièce, ça y est, vous êtes dedans, vous vous concentrez sur la mission, il n'y a pas besoin d'aller pile au-dessus de la pièce. En plus, vous êtes dans un jeu d'espionnage, donc vous essayez de rester le plus loin possible et de repérer les ennemis le plus loin possible. Vous n'allez pas aller vous foutre, regardez où est la marque. Votre but, c'est pas de vous foutre en plein milieu du truc au-dessus de la pièce. C'est l'endroit le moins discret, on est d'accord, regardez ça. Je suis au-dessus des 5 mecs, il y a des gars qui sont autour en périmètre, c'est un drone, donc on sait à peu près tout ça, un Dragonfire pour ceux qui jouent à Call of. Donc on est d'accord, c'est pas l'endroit le plus discret. J'étais à 50 endroits, autres endroits super discrets pour repérer le type, et il voulait pas se loquer, alors qu'il était dans la pièce depuis le début. Alors ça, je trouve, il n'y a rien à faire, je trouve toujours ça super débile, et malheureusement, c'est pas un défaut qui vient spécialement de ce Splinter Cell, c'était déjà la même connerie, je vous ai dit, dans Ghost Recon. Donc il faut qu'Ubisoft arrête avec leur script tout moisi. Donc voilà. On retrouvera des personnages emblématiques de la série, y compris dans les ennemis et dans les amis. Je vous le dis parce que là, vous venez de voir Cobin. Le vilain qui avait essayé de faire un mauvais tour à Sam par rapport à sa fille, que vous pouvez appeler d'ailleurs dans l'avion. Je ne l'ai pas montré, c'est vrai, mais il y a un petit téléphone et vous pouvez appeler Sarah. Oui, c'est ça. Vous pouvez l'appeler quand elle est dispo, parce qu'elle ne répond pas toujours au téléphone, et prendre un peu de ses nouvelles et ce genre de trucs. Donc, encore un petit point positif pour l'avion. Alors, au niveau des déplacements, de la façon de tuer les ennemis, je vous rappelle que Sam Fisher adore le noir, et que les ennemis de Sam Fisher, pas du tout. D'ailleurs, ça donne souvent des situations assez débiles, parce que vous allez parfois passer à un mec... je vais prendre un exemple très con que j'ai vécu. j'ai dû investir un commissariat. Voilà. Dans ce commissariat, j'étais dans une pièce et il y avait un extérieur où il y avait un petit préau, donc un petit pan de mur qui recouvrait le dessus. Et donc j'avais une bande d'un mètre qui était ombragée. J'avais ensuite une bande d'1,50 m qui était ensoleillée et une bagnole en plein milieu du truc. Et donc les gardes s'amusaient à passer devant la porte là où j'étais et de rester dans le chemin de soleil en faisant le tour de la voiture. Quand je sortais de la pièce, ils me voyaient, enfin la jauge de découverte se remplissait, et je tournais pile 10 cm à gauche, j'étais dans la zone d'ombre, et là, plus personne ne me voyait. Voilà, ça c'est un petit peu les limitations du jeu, on a l'impression qu'il y a vraiment un truc de fou avec l'IA, et d'ailleurs, l'IA est très bonne quand vous êtes fait repérer, et très conne quand vous n'êtes pas fait repérer. C'est-à-dire que effectivement, je conçois tout à fait bien qu'il y a des chemins de ronde qui sont imposés. Maintenant, qu'ils soient chronométrables à la seconde près, c'est quand même un petit peu exagéré. Et surtout, ce qui est exagéré, c'est que dans cet épisode du commissariat, j'ai buté les 4 gardes qui étaient dans la cour au même endroit. Parce qu'ils faisaient exactement le même tour. Et donc, sur le premier, j'ai failli me faire un peu repérer. Donc, je l'ai quand même eu. J'ai pris son corps, je l'ai ramené dans la pièce. Et puis, les autres sont passés au même endroit. Et donc,
évidemment, j'ai réussi à les péter un par un. Autre chose un petit peu dommage, quand vous allez tuer quelqu'un parfois à distance avec le flingue en faisant un one shot dans sa tête, les ennemis vont arriver un par un. Je sais pas comment ils se démerdent, peu importe la configuration des lieux, peu importe le nombre d'ennemis qui restent, les mecs ne savent pas se pointer en même temps. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Alors donc forcément quand vous avez des trucs comme ça, bah, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de les attendre, le premier qui arrive, boum, une balle dans la tête, le deuxième qui arrive, boum, une balle dans la tête, puis vous attendez par exemple que les deux derniers arrivent, vous enclenchez votre exécution, boum, boum, fini, terminé. Là par exemple, je pète des lampes, les lampes elles pètent pas toutes seules. Il y a un moment, il faut que... Là je comprends pas comment les mecs sont pas un peu plus en alerte que ça, et comment il y a personne qui vient voir en haut ce qui se passe. Donc enfin voilà, c'est tous des trucs comme ça. Alors évidemment, quand vous changez le niveau de difficulté, ce qui va beaucoup plus changer, puisque j'ai refait quelques missions en variant les modes de difficulté pour voir un petit peu, c'est simplement vos capacités à vous. Donc c'est-à-dire que le temps, l'exécution va se charger beaucoup moins vite, ce genre de choses, vous allez avoir aucune indication sur le radar, ce genre de choses. Donc quelque part... Je fais toujours le triste constat de me dire que cette histoire de mettre facile, normal, difficile, ça n'a rien à voir avec les opposants que vous allez rencontrer. Rien. Et c'est toujours le même bordel au final. Ils vont être en nombre, plus en nombre, donc ça va être plus compliqué parce qu'ils sont plus nombreux, mais voilà, ils sont toujours aussi cons. Enfin, c'est ça le problème. Ici, encore une fois, tout dépend. Quand vous êtes repéré, par contre, là, ils sont très bons. Je trouve qu'ils sont très bons pour un épisode de gêne actuel, parce qu'ils vont se mettre à couvert et ils vont viser l'axe d'où vous venez. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas reprendre un chemin de ronde si au bout d'un certain temps quand vous êtes hors d'atteinte, quand vous ne les inquiétez plus, ils vont reprendre leur activité à peu près normale, mais ils vont quand même rester dans le secteur où vous avez été repéré. Enfin, en tout cas, ils vont se mettre pour vous poser un petit problème quand vous allez vous remettre vers l'avant. Donc une IA qui est vraiment très partagée. Là, j'ai un gros, j'avais pas vu que c'était un gros. J'essaie de le choper par derrière et de le tuer, mais je me suis bien foiré. Parfois, quelques petits problèmes. J'ai eu quelques petits problèmes comme ça avec certains meurtres à faire, enfin, certaines éliminations discrètes à faire, où je suis arrivé, j'appuie sur carré pour éliminer, le truc démarre pas, l'ennemi se retourne et voilà. Donc, vous laissez toujours là, on l'a vu dans l'escalier, une petite marque, un petit fantôme de vous quand vous avez été repéré. C'est le dernier endroit où l'ennemi vous a vu, et donc votre but c'est de vous casser, bah, évidemment, le plus loin possible. Sinon, Sam Fisher a toujours une bonne gueule. La VO est très bonne. C'est toujours le même acteur qui s'en occupe. J'ai complètement oublié comment il s'appelle, je suis désolé. On a la possibilité de paramétrer en plusieurs langues, ça c'est bien. Je crois qu'il y a 5 langues orales qui sont dispo. Je vous avoue que j'ai pas osé mettre le français parce que, en général, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Par contre, au niveau du jeu d'acteur, si la VO est bonne au niveau de l'intonation, parfois c'est extrêmement surjoué. Voilà. C'est même en VO. Il paraît que la VF est encore pire, mais déjà VO c'est déjà pas triste, donc encore une fois je n'ose imaginer ce que ça peut donner. Voilà, je réfléchis un petit peu pour voir si je vous ai à peu près tout dit sur ce Splinter Cell Blacklist. Mon avis général, c'est que quand même je m'amuse bien dessus. Je vous avoue que je prends quand même du plaisir. La partie multijoueur me fait plaisir, franchement, je dois bien le reconnaître. Sur le jeu en solo, il faut compter, pardon, j'ai oublié de le dire, une dizaine d'heures. C'est sorti, ça, je suppose que vous avez deviné, PC, PS3, Xbox 360. Je me demande s'il y a une version Wii U. Je me demande, tiens, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je m'amuse quand même bien sur le solo. Je prends pas autant mon pied que ce que j'ai pris mon pied sur le Ghost Recon Future Soldier. En même temps, c'est vrai qu'on jouait à 4, à 3, pardon, pendant tout le long du jeu. Hein. Pour ceux qui savent pas, on a fait un let's play dessus avec mes collègues Dante et Mars. Et c'est vrai qu'on s'était vachement bien amusé, pris au jeu surtout, d'avancer en équipe. Donc voilà. Peut-être que c'est ça qui me manque pour vraiment m'éclater. Peut-être que si je faisais les missions coop, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, je m'éclaterais bien, peut-être, je ne sais pas.
à voir et à revoir. Mais honnêtement, si vous aimez bien les jeux d'infiltration, si vous aimez bien Splinter Cell, que vous ayez aimé les convictions, le conviction ou le précédent, il y a moyen d'y retrouver un petit peu de chaque. Il y a du contenu. Honnêtement, il y a beaucoup de missions, que ce soit le solo, 10 heures, c'est quand même pas vilain, 10-12 heures. Le multi qui est très intéressant et les missions secondaires qui vont vous permettre de prendre du fric, il y en a quand même un paquet. Des missions de vagues, même si c'est un peu con d'avoir des vagues dans un Splinter Cell, on est bien d'accord, mais c'est quand même sympathique. Tout ça fait qu'il y a quand même moyen de rentabiliser son petit billet qu'on a mis pour ce Splinter Cell largement. Pourquoi pas en attendant GTA si vous n'avez rien d'autre à faire, si le Trip Saints Row 4 ne vous dit pas plus que ça, et allez jeter un petit coup de manette. Je sais pas s'il y a des démos qui sont dispo, mais honnêtement il y a moyen de se prendre au jeu et de quand même bien se plaire. Voilà, j'espère que ce vidéo test a répondu à un max de vos questions. Si c'est pas le cas, j'en suis bien désolé. Si au contraire vous avez bien aimé la vidéo, pensez à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du jeu en général, ou bien si vous avez envie de l'acheter ou pas. Et pourquoi pas vous abonner, puisque vous, moi, lui et surtout lui, on est tous des faisans. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao. What are you planning? Oh, we're past planning. We're on to execution.